Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de notions de fonction. Ce sera une série de plusieurs vidéos. Dans la première, nous allons définir ce qu'est une fonction. Une fonction est un processus qui, à un nombre initial, fait correspondre un unique autre nombre. On peut le schématiser de la manière suivante. Le nombre initial, on lui applique la fonction et on obtient un nombre final. Le nombre initial sera appelé antécédent et le nombre final sera appelé l'image. Par exemple, si la fonction s'appelle f, on peut associer un nombre initial 3 à un nombre final 12. On dira alors que 12 est l'image de 3 par la fonction f, que 3 est un antécédent de 12 par la fonction f. La notation f de 3 égale 12, où par la fonction f, au nombre 3, on associe le nombre 12. Il existe plusieurs façons de définir une fonction. Dans les vidéos suivantes, nous allons en voir 3. D'abord par une formule, par exemple f de x égale 3x au carré plus 1. Nous verrons aussi comment calculer des images et des antécédents à l'aide d'une formule. Avec un tableau de valeurs, dans lequel on aura sur la première ligne, par exemple ici, les antécédents, et sur la deuxième ligne, les images par une fonction h. Et enfin, par un graphique, où nous verrons que sur l'axe des abscisses, nous pourrons lire les antécédents, et sur l'axe des ordonnées, des images correspondantes. Enfin, nous ferons une synthèse et nous verrons sur un exemple qu'à partir d'une formule, on peut construire un tableau de valeurs et à partir de ce tableau de valeurs, construire la représentation graphique de cette fonction.